Salut tout le monde, c'est Ben Shark. Du coup, on se retrouve pour la suite des aventures sur Pharaoh New Era. Et on se rend du coup à Neken. Allez, let's go. Le premier pharaon, condition de victoire, 1000 et 10 appartements modestes. Ok, c'est parti. Tandis que les habitants des rives du Nil tentent tant bien que mal de survivre dans cet environnement hostile, un roi du nom de Narmer a pris le pouvoir. Bien que Narmer règne sur une grande partie du territoire, l'unification totale des deux Ah, il y a royaumes plusieurs reste dieux là. inconnue. Ok. Ok. Dieu protecteur de cette région est Ré, mais Osiris et Bastet sont également vénérés ici en tant que divinité locale, assurez-vous. Cette cité abrite des temples des dieux. Je suis pas une unité locale pour autant. Afin de satisfaire vos citoyens les plus précieux, assurez un accès au temple et à différents dieux. Ok. Alors, c'est parti. On appuie sur pause. On va dézoomer. On va regarder un peu ce qu'il y a sur la carte. Ce qu'on a dans les. Ok, il y a de la pierre là-haut. Il n'y a pas grand-chose. On va essayer de construire par là, vu qu'il y a les champs qui peuvent être là, les pierres là-bas. Je pense qu'on va se mettre à peu près par là pour faire quelque chose de sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Palais, demeure luxueuse. Ah oui, il y a les. Ah putain, palais de justice, bureau de perception, un pont, arrivée de la navette. Ah, ça, c'est pour migrer de l'autre côté, parce que vu qu'il y a plus de champs là. Ok. Ok, ça on avait déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Chantier, exploitation de céréales, et ça c'est quoi? Exploitation d'orge. Ah, l'orge c'est pour faire de la bière. Intéressant. tac, là, on n'a rien de nouveau. Entrepôt, grenier, marché, ok. Puits d'argile pour faire de la poterie. Brasserie, voilà, c'est pour faire la bière. Ok, les dieux, du coup, il y a trois dieux à satisfaire. Ça va être autre chose. Les étals, conservatoire, ouais, c'est des plus gros étals, ça. Donc faut bien que je laisse des places au carrefour pour pouvoir installer les trucs après. Et embellissement, c'est comme d'hab. Ok. Alors, on va commencer, on va se mettre par là, je pense. Voilà. On va juste dévier un peu la route. On va la faire un peu plus long. Tac. Avoir un peu d'herbe dedans, tac et tac. Ok, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on va faire ça. Tac, tu vas aller là comme ça. Tac, là on va faire la place du village directement ici. Comme ça c'est fait. Hop, ça c'est bon. Ensuite, les maisons, donc on va commencer comme. Non, j'ai dit qu'il fallait que je fasse les angles. Je commence à faire des conneries. Tac. 1, 2. Comme ça. Tac. Tac. Je peux coller. Tac. On va déjà faire ça comme ça. Ça commencera un peu à faire des habitants. Va faire un petit croisement déjà pour préparer. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Putain. Tac. Allez, ensuite. Il me faut des puits d'eau. On va faire un là. Alors, tac. Déjà, je vais bloquer la route là pour l'instant. Ils n'auront pas besoin d'y aller. Là, c'est pareil. Pour l'instant, ils n'ont pas besoin d'y aller. Médecin. On va en foutre un là. Ils vont tourner là autour, ça devrait suffire. Un apothicaire. On va le mettre là.
Le palais, je le ferai après. Parce qu'il faut que les champs, je verrai ça après. Je vais d'abord faire un peu l'allée Dieu. Un temple de chaque. Ça passe pas là. Putain, ça aurait été trop beau. Ah non, ça passe pas là. J'aurais bien aimé faire les trois au même endroit. C'est pas, on va faire comme ça. Ça pour les religions, pour l'instant c'est bon. Puis j'ai la place des fêtes pour lancer des fêtes. Donc c'est plutôt bon. On va faire un pompier là. Un architecte. À côté. Tac. Ok, là j'ai un joli carré, là je vais pouvoir faire le marché, là je pense. Ça pour l'instant j'ai pas, ça c'est good, ça c'est good. Un flic, hop, ça peut toujours servir. Du coup je vais faire un marché là. Tac. On va en faire un par là aussi, ça y aura deux marchés. Ok. Ça c'est bon. Je pense que là j'ai tout fait. Ça c'est bon. Ouais, divertissement. Alors, une école de jongleur, on va la mettre là. Une étale de jongleur qu'on va mettre là. Pour l'instant ça suffit. Ok. Ensuite, faire des champs pour la bouffe. Tac, 2, 3, 4, 5, on va en faire 5, c'est pas mal. Tac, 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 tac. Ok, ça c'est bon. Je vais faire les greniers par là. Hein. Ça reste dans la zone des. En plus par là peut-être. J'ai plus de place en bas après, au pire. Non, je vais les laisser là où les greniers. Tac. Ah putain, il peut pas passer parce qu'il y a des arbres. Attends. Les arbres, je vais les péter. Hop, hop. Tac. Ok. Hop. Deux greniers. J'ai envie de foutre un architecte aussi là parce que ça a tendance à se casser la gueule les greniers. Hop, tac, juste dans le petit coin là, tranquille. Ok. On a un peu tout ce qu'il faut pour l'instant. Embellissement, on verra. Ouais, je peux déjà faire des. Une paire de plaza, là j'ai un peu de sous. Hop, tac. Ok. Pompier, j'ai fait. Ouais, il est là. Ça c'est bon. Ah, faut que je fasse des chantiers. Trois chantiers là. Pour les champs, l'entrepôt pour l'instant, bah, je peux, si je peux faire les puits d'argile. Une poterie. Ok, je pense qu'on n'est pas trop mal pour débuter là. Ah non, un entrepôt du coup pour stack les poteries. Entrepôt. Tac.
Allez, je pense qu'on est pas mal. Envoyez le bousin. Direct, on lance une fête. Putain, merde, attends, c'est qui notre dieu protecteur là? Je sais plus. Attends, je remets pause. C'est Ré. Donc, on va satisfaire Ré un peu plus que les autres. Allez, c'est parti. Tac. Let's go. Ils arrivent d'où? Ils arrivent de là. Je pourrais agrandir vers le bas si besoin. Bah, de toute façon, pour avoir 1000 personnes, j'aurais pas le choix. Hein. On va pas se mentir. Ça fait du monde. Fait le palais du village. Je vais le faire. Je vais mettre un flic à côté. Hop, hop. Tac. Voilà. Besoin de main-d'œuvre. Ça arrive, ça arrive.82 travailleurs supplémentaires. De toute façon, ça va venir le temps qu'ils fassent la bouffe et tout, ça attire du monde après. C'est bien, c'est qu'on peut faire une rangée de jardin derrière les maisons. Ça attire un peu plus. Hop. Hop. Et après, on repart sur des systèmes comme ça, c'est pas trop mal, je pense. Bah, ils ont pas récolté grand-chose, les 11. Ils ont fait la fête déjà? Ils ont déjà fait la fête. Allez, Osiris, une petite fête. Ça part. Plus de loisirs. Bière, exploitation d'orge. Et ça commence, j'ai à peine commencé. Eh oh! Ah, les impôts. Voilà, on va les faire payer. On va commencer par ça. Bureau des perceptions. Hop, on va le mettre par là, là. Tac. Un palais de justice. Tac. Voilà. Besoin de main-d'œuvre. Ça arrive les gars. Qu'est-ce qu'il m'a dit que je pouvais faire aussi? Ah, de l'orge. Pour faire de la bière. J'avais ça, j'avais l'orge, j'avais quoi d'autre? Bière. Merde. Ah merde. Besoin de manœuvre, je sais, je sais. Exploitation d'orge. Ça va falloir que je la fasse un peu plus bas parce que je vais plus avoir beaucoup de place là, pour mettre. Oh non, ça passe pas là. Ça, tant pis. Hop. On va faire une brasserie qu'on va mettre là. Et une en face. Tac. Besoin de main-d'œuvre, besoin de main-d'œuvre. Ça arrive la main-d'œuvre, les gars. Paniquez pas. Ça, j'ai fait. Du coup, c'est bon. Ça, c'est fait, c'est bon. Ça, bah, enfin, je refoute de le. Putain, qu'est-ce qu'il stocke lui? Oh, de la paille! Putain, j'ai été rempli de paille. Ok, ah, divertissement, c'était ça le nouveau truc. Ça s'annonce excellent, bah tant mieux.
Hop, on va te faire une fête aussi, tu seras contente. Hop. Supprimer les arbres là. J'en ai pas besoin de toute façon. Okay. Copie de bâtiment. Il peut arriver que vous souhaitez simplement déplacer un autre exemple. Il vous suffit alors de copier-coller à l'aide de la copie de bâtiment. Maintenez la touche CTRL et cliquez sur bâtiment où vous voulez copier. Oh, c'est pas mal ça. Si par exemple je prends le marché, je l'ai fait où? J'ai pas fait de marché? Ah si. Donc si je fais ça, ah yes, ça c'est cool. Je peux le mettre là comme ça. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Médecin. Tac. Un médecin. Ok. C'est un autre bazar, j'en ai pas besoin. Point d'eau, bazar, point d'eau. Études d'architecte. Caserne de pompiers. Tac. Apothicaire. Non. Tac. Tac. Ok, on va laisser comme ça. On va faire des petits temples hein, à la con. Tac. Tac. Comme ça, ils ont des lieux de culte. Et alors, je supprime, je vais mettre ça là. Tac, je vais supprimer lui. Hop, qu'ils aillent un peu plus loin. Là, je vais faire le conservatoire. Tac. Comme ça, là, je peux faire un étal comme ça. Merci, Bastet. Tu fais plaisir. Tac. Là. Hop, on va refaire une fête. Tac. Hop. Demeure luxueuse et salaire personnel. On va se la faire vers le palais. Tac, ça on peut le mettre là. Comme ça je peux enlever lui. Et c'était dans. C'est ça. Demeure luxueuse. Tac. Ok. Atteignez une population de 1000 habitants et 10 appartements modestes. C'est ça les appartements modestes, non? Non, propriété spacieuse. C'est quoi les appartements modestes? Propriété modeste. Propriété spacieuse. Pour l'instant, ça se déroule tranquille. Eux, qu'est-ce qu'ils ont? Elle doit recevoir de la nourriture. Oui, bah, ça vient, la nourriture. Que j'ai qu'un seul grenier. Il n'a pas des masses de bouffe. Va faire des céréales. Hop. Hop.
Tac. De travail. T'inquiète, je vais t'en trouver du boulot s'il n'y a que ça. Faire des ch un chantier. Bénédiction de rêve. Ah, ça c'est cool. Du coup, on va faire une fête. C'est le plus bel endroit sur Terre. Ah, merci. Hop, tac, une fête. Je suis à 1300, faut que je fasse gaffe là. Je voulais faire des chantiers, c'est où? C'est là. Tac. Putain, j'ai plus beaucoup de place hein, pour en faire. Faire une autre là. Non, je peux pas, putain. Je peux faire comme ça. Tac, voilà. Parce que s'ils sont trop près des chantiers, les gonzes ils gueulent parce que c'est pas assez beau. Hop. Un petit peu de jardin. La nourriture d'un bazar local. Ça arrive, regarde, ils viennent de récolter, paniquez pas. J'ai l'entrepôt, il est plein à craquer. Hop, on va refaire là-haut des entrepôts. Oui. Tac, je vais refaire un architecte à côté. Hop. Et là pour aller au bazar. Tac, tac. Tu veux de la distraction, hein, mais je te paye pas. Seul guet pour l'instant, je suis à 980. J'ai pas besoin d'y aller. Putain, j'ai plus que 182 balles. Les impôts. Comment ça se passe? On va rester comme ça, on va laisser tourner un petit peu, voir si. Bien joué. Ah bah, Grâce à votre gestion voilà, efficace, la civilisation facile. égyptienne a considérablement progressé et cette progression devrait se poursuivre dans les décennies à venir. Allez, durant la période archaïque, Menefer. Allez. C'est parti. Un appartement spacieux, 1500, putain. Ouais. Ah, puis là, faut des niveaux de culture 15, ou prospérité 20. Et il y a le petit mastaba. Mais ça, c'est long. C'est long à faire. Après des luttes acharnées, le roi Hor-Aa est parvenu à unir les deux royaumes de Haute et Basse-Égypte. Il devient ainsi le pharaon qui règne en maître absolu sur toute l'Égypte. Pour démontrer et asseoir sa souveraineté, la première dynastie d'Égypte, Hor-Aa, a ordonné la construction d'une grande capitale à Menéfer, d'où il pourra gouverner son jeune pays. En raison des loyaux services rendus par votre famille depuis des générations, ok, le pharaon...
Les rives du Nil. Commencez par planifier des zones résidentielles et industrielles. Vous savez maintenant ce que les gens veulent. En plus des basses nourritures et... Oh non, ok. Certaines maisons doivent recevoir poterie, bière, loisirs et un accès aux services religieux avant de pouvoir penser à l'enseignement supérieur et au commerce. Ok. Racontez de ce tutoriel maintenant que vous avez appris à jouer avec les recruteurs. Vous pourrez sélectionner l'agence de manœuvre globale pour les options. Sauf un achat de concrète. Ah ouais, ça c'est... Ok, donc tu trouves automatiquement du boulot suivant là où t'es. Ok. Parce qu'avant, il fallait que les recruteurs ils passent devant des habitations. Sinon, si t'étais trop loin, il n'y a personne qui allait bosser. Ok. Alors, on va mettre sur pause. Comme d'hab, on va faire le tour de la carte, voir ce qu'on a. Un peu d'un point d'eau là, ça peut être pas mal. Là pour faire de la bouffe, ok. Des roseaux. Du désert, on n'a pas de cailloux aussi, un peu de cailloux là. Et c'est tout. Ok, est-ce qu'on a un autre truc là-bas? Non. Là, c'est que de l'eau. Ok. C'est compliqué, hein. J'ai pas là en bouffe. Exploitation de pois chiches. Ça va là, ouais. Exploitation d'orge. Donc faut que je sois par là pour la bouffe. Moi je pense que là c'était sympa là, pour faire un petit quartier là. Mais bon, pour la bouffe, je suis obligé d'être là. Oula, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Ok. Bon bah on va construire là. Faire les habitations par là. Peut-être plus par là. Je crois que j'ai peut-être plus bas là. Il y a pas mal de verre là pour les puits et tout. C'est pas mal. On va se mettre par là. Les dieux, qu'est-ce qu'on a? Trois dieux encore. Chantier, guide des maçons, petit mastaba. Ok, divertissement, on avait deux. Ok. Production. Puits d'argile, cueilleur de roseaux. Fabrique de papyrus. Ah ouais, c'est cueilleur de roseaux, fabrique de papyrus. Et je dois avoir les écoles de scribe ou des trucs comme ça là. Stockage chez classique. Ah, ok. Ouais. Bon, les navettes. Ok, école de scribe, ouais, c'est ça. Ça, c'est pour faire évoluer les maisons aussi, c'est bien. Bureau de perception. Ok. La route elle arrive de là. Hop. Tac tac tac. Ça comme ça, hop, je vais déjà mettre un peu par là la place des fêtes. Ok, je fasse des carrefours, faut que les étale à chaque fois. Ok, j'ai 8000 d'ébène, hein. Faut pas trop que je pompe tout de suite. Les maisons, tac tac. Tac. Tac, déjà ça, pour commencer. Ensuite, point d'eau.
Voilà. Et là, je peux pas. Là. Tac, 2 points d'eau. Le médecin. Tac. Un apothicaire. Tac. Un pompier. Un architecte. Tac, tac, tac. Ok. Ça, c'est bon. Ah, un flic. Mettre un flic là. Hop. Ok. Ça, le palais, la demeure. Je vais déjà faire la bouffe et tout. Ça viendra dans un deuxième temps. Pour la bouffe. Faire la zone industrielle par là. Je pense qu'on est pas mal. Chantier, hop, comme ça. Là, hop, ouais. Ah ouais, non, putain, je peux pas là. Alors. Exploitation de pois chiches. Quatre. 5. Je vais faire ça. Hop. Tac. 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 Hop. Ça, c'est bon. C'est de penser un peu à tout avant d'envoyer la sauce, quoi. Pour stocker les pois chiches. Grenier, du coup. Peut-être en faire 3 là, parce que je vais avoir besoin de trucs. Mettre un entrepôt déjà là, tac, un architecte et un pompier. On va faire ça là et ça là. Ok. Putain, j'ai dit je gardais les angles, j'ai mis des trucs dans les angles. Je peux pas me permettre de les virer pour l'instant pour distribuer la bouffe. Marché là, un marché là, tac, les dieux, tac, tac, tac. Ok, ça c'est bon. Les loisirs. Avec une école de jonglerie, un conservatoire. On les étale comme ça, j'en fous un là, un là. Voilà. Ah ouais, ils sont pas mal. Il me reste 4 800 d'ébène. C'est combien le palais? 900. Ok. Un palais de justice là. Intercepteur. Tac. 3 000.
Ok. Reste plus que l'orge pour faire de la bière. Ah putain, ça passe pas là. Tac. Et la brasserie. Là. Je pense qu'on n'est pas trop mal pour commencer. Une tournée de jardin, une tournée de plaza. Hop, tac. Les jardins. Hop. Tac. Allez, let's go. Ça part. J'espère que tout va bien se passer. Je pourrais faire un peu des maisons là, hein, au pire. On va commencer les fêtes. C'est qui notre dieu protecteur là? Chef. Toute façon, faut tout s'ils y passent, hein. J'ai commencé par lui. Hop. C'est pas la plus belle ville du monde, mais bon. Tant que ça fonctionne, c'est le principal. Ça va avoir 1500 habitants, je vais pas avoir le choix que d'agrandir. Tabac, faut que j'aille taper des pierres. Les pierres, elles sont pas à côté. Hein. J'étais en train de penser. Bon, déjà laisser couler comme ça, tant que ça se fasse un petit peu la bouffe, la flotte et tout le bordel. Ok. Oh, c'est quoi ce cru de merde là? Attrait de la cité. En tant que dirigeant, il y en a pas. Il faut aussi sur ce que c'est nécessaire. En effet, une cité dont les habitants sont mécontents attirera moins de monde. L'immigration va même s'arrêter complètement. Les... Vous pouvez prendre le moment de votre cité. Qui se casse là.
ça prend des... chef de la main d'œuvre, chef politique. Ok. Ça va monter petit à petit de toute façon. Ok, pour l'instant, on est dans les clous. Ça arrive, la main-d'œuvre. Bon, je pense pas que je la termine celle-là parce que je sais que les mastabas c'était hyper long à faire. Il manque 135 travailler. Un petit peu là, tac, comme ça. La poterie, mais la poterie, ça va arriver. Ils sont en train de faire les pôles. Champ, 500 habitants, ça va vite quand même à monter les habitants. Osiris, tac, tac. Nourriture d'un bazar, putain, je vais refaire une ferme de pois chiches. Là, tac. C'est qui bouffe les salauds. Encore du travailleur, mais bon, là, ça arrive. Donc je vais pas trop mettre de... Ah, éducation. Il est temps d'informer l'éducation. Les écoles de script peuvent... ne peuvent pas éduquer hein, sans papyrus. Donc faut faire des roseaux, voilà, c'est ça. Ils sont directement... Ok, donc faut faire cueilleur de roseaux, école de script et fabrique de papyrus. Et les roseaux, je pense que c'était là-dedans là, qu'il fallait les faire. Ah non, je peux les faire n'importe où, mais ils vont là. Donc faut que je les fasse quand même pas très loin. Oui. Deux secondes d'iris. Deux cueilleurs de roseaux. Après, c'était là. En fabrique de papyrus. Hop. On va relier ça comme ça. Un papyrus. Mettre un entrepôt à côté.
Putain, j'ai plus de thunes. Hein. C'est combien? 70 l'entrepôt. Je vais juste en faire un. Un architecte. Elle a besoin de main d'œuvre. Je sais, Gun. Mais l'école de scribe, on va la faire là. Tac. Ah, ça, les appartements spacieux, yes. Commence à avoir de la tronche. Oh, fête grandiose pour putain, on a de la bière. Un manque d'argent, oh merde. Ils m'ont prêté de la thune, je suis remonté à 5000. On va rester comme ça un peu. Pas faire trop de dépenses. Là, normalement, les impôts, ça devrait rapporter un peu plus. Finance. Génère environ 807, ok. 1029. Revenu. Pour revenu total, dépenses totales. Solde. Voilà, bah du coup, ils m'ont prêté de la thune. Le royaume paye 30, ok. Si je mets 10% d'imposition. On va voir s'ils gueulent les mecs. Il y a une jolie ville là. Pas besoin de gueuler. Putain, le papyrus, enfin les roseaux, j'en ai peut-être fait trop là. Ah, le commerce. Quand vous avez réussi à étiqueter simplement, pourquoi ne pas générer des revenus supplémentaires en vendant le surplus de papyrus aux cités voisines ou de même également apporter des briques pour construire le tambour. Ah, c'est ça. Enfin, je les importe, les briques. Cliquez sur l'icône de la carte du monde pour voir les autres CC codés. C'est ça. Tac. Ok. Ok, hop. Tac. Donc moi je suis là, je peux faire venir. Non, c'est vendre. Ok, là moi je peux leur vendre des trucs. Ah non, c'est ils achètent ou ils vendent des papyrus? Ils vendent de la bière, ils achètent des papyrus, c'est ça, je pense. Eux, ils vendent juste des briques, j'ai que ça à prendre chez eux. Donc je vais ouvrir une route commerciale avec eux. Ok, pour l'instant, je vais vendre des papyrus. Voilà, je suis sur pause, tant mieux. Comme ça, ça me laisse le temps de voir chef, garde du monde, objectif. Bon, je... Chef du commerce, je ne suis pas un chef du commerce. Tech. Ah, c'est pour l'importation, disponible pour l'exportation. On va exporter au-delà de... Donc, mais on est dans l'école de scribe. C'est ça. 190. Au-delà de 100. Monter au-delà de 100. Ok. Faire une fabrique de papyrus. C'était où? Ah, tac. Ah, putain, chaque fois qu'ils mettent un truc. Faire du papyrus à Tarbas. Euh...
Besoin de main-d'œuvre, besoin de main-d'œuvre, besoin de main-d'œuvre, ouais, je sais. Ils veulent tous venir ici. 65 travailleurs, ça va aller vite. Pas trop en prendre. D'accord. Si je fais ça. Tac. Et là, je mets. Attends, je vais mettre sur pause. Je vais juste faire deux entrepôts que je prends que le papyrus. C'était là. Tac. 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 Tout refuser sauf les papyrus, ils sont où? Ils sont là. Tout accepté. Ok. Tout refuser. Tout accepté. Voilà. Hop, on va faire ça comme ça. On blinde de papyrus, on vend. Et en allant guingant, on se fait des boules en or. Parce qu'après, il faudrait que je fasse que des entrepôts pour les pierres. Pour pouvoir faire le mastaba. Là, ça fait un moment que j'ai pas eu de fête là. Je sais plus à qui j'en étais. Tiens, Bastet. On va faire une fête à Bastet. Il faut que je regarde les dieux là, comment ils sont. Parce que les dieux, s'ils sont pas contents, ils pètent tout. Sympathique, sympathique, agréable. Ça va. Putain, le roseau, ce que je produis par rapport à. Putain, en fait, faut un cœur de roseau, quoi. Je le tège, lui. Importer au moins 800 briques. On va attendre un peu. Que les finances soient au vert. On va laisser tourner un peu tranquillou. J'ai le temps là pour monter. Je vais arriver à 1000 habitants. Voilà. M'en faut 1500. Ouais, je commence à gagner de l'argent. Ça, c'est pas mal. J'ai pas des mecs qui viennent. Ah. Ah ouais. Bon. Je suis dur en affaires, ben bien sûr, je suis dur en affaires. Mais il croco, je vais tout lui donner aussi. Ouais, ouais, allez, viens m'acheter des papyrus, gun. Ça tombe bien, j'en ai. Ça, là, je pourrais faire mes entrepôts. Et puis le mastabo, je le ferai quelque part dans le coin, j'en sais rien, j'ai de la place. Il me faut 800 briques. Ah ouais, faut guide de maçon et petit mastaba. Je vais faire ça par là. Là, il y en a qui se cassent. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai nulle part où aller. Voici. Mais venez les copains. Moi, je vous aime bien. Il y a quoi qui me manque là? Chômage à 4%. Manque de travail, il suffit de demander les mecs. Attends, je vais mettre sur pause parce que là je vais faire mes trucs juste pour les briques. Putain, je sais pas combien j'en mets par entrepôt quoi. Tac. Tout refuser. Sauf les briques, tout accepté. Ok. Tout refusé, sauf les briques, tout accepté. Tac. Tout refusé, les briques, tout accepté.
On va peser les briques, tout accepté. Hop, ok. Et dans les autres, attends. Là, c'est bien, tout refuser, tout refuser. Voilà, de toute façon, au pire, s'ils en ont envoyé une paire à droite à gauche, c'est bon. Carte du monde, et là, faut que j'achète des briques. Confirmé. Tac. Chef du commerce. Importation jusqu'à. Importation des biens requis. Non, jusqu'à 800. Ça a bien pris en compte, ouais. Allez. J'espère qu'ils vont pour m'en envoyer 800 d'un coup parce que putain, je vais être dans le rouge. Hein. Acheter bas, revendre haut, telle est ma devise. Ouais, bah revend pas trop cher, mec. Putain, attends, j'ai foutu un architecte là aussi. Avant que ça se casse la gueule. Ça arrive là, mode, ça arrive. Ouf, j'ai du papyrus. Ok. Ça, c'est que le mastaba, ça va prendre 3 jours à faire. C'est hyper long. Alors, je sais pas si je vais pas arrêter là. Et puis, on reprendra. Et si on reprendra pas là. Demain soir, histoire de finir celle-ci. Si j'accélère un petit coup de x5 là. Oh putain! J'ai oublié de leur faire des fêtes. Oui. Putain. Oh putain, ouais, j'ai oublié de m'occuper des dieux parce que j'étais sur le truc. Et l'autre il est pas content, il veut tout péter. Allez, il m'a pété quoi là? Une brasserie. Hop. Et c'est quoi ça? Une poterie. Ah oh, putain. Ah, les ennuis commencent. Parce qu'il m'a pété. Ça aussi, là. Fabrique de papyrus. Tac. Ah, je les ai laissés 5 minutes sans m'occuper d'eux. Voyez, c'est la guerre. Ah bah les briques, j'en ai 800, c'est bon. Placer un petit mastaba sur la carte. Tu vas voir la gueule du petit mastaba. On pouvait pas les tourner, hein, les trucs. J'aurais bien fait à la verticale, moi. Non, regarde, c'est pas ça. Je crois qu'on pouvait les tourner avant. Hein. Ah, voilà. Tac. Il me faut des gonces comme ça, là.
J'ai oublié. Tac, ça va. Ouais. Allez, tac, pas de route, pas un problème, fait traverser le pays à un charretier. Je t'en trouve du boulot, moi, si t'en veux. Tac, tac. Non, mais ça va aller si vite. Ah, oh, 25%, en vrai, ça va assez vite, ça va. Il va me falloir les 1500 bonhommes, quoi. Ouais, du coup, il me ramène toutes les briques là-bas, et comment... Ah putain, là, tu m'as encore pété des trucs. Attends, comment ils sont les dieux? Merde, c'est pas ça. Ils sont où ces dieux? Furieux, froissé, indifférent, putain. Hop. Papyrus là, c'est ce qui me fait vivre, Gan. T'abuses. Elle m'a pété que ça, c'est bon. Ok. Ce qui viennent là. Merde. Manque du pélo, putain. Okay. Osiris aime contempler son peuple pendant les fêtes. Comment les dieux? Sympathique, sympathique, agréable, c'est bon. On va rectifier le tir de ce côté. Du médecin là. Faut un médecin. Tac. OK.
va rester là sur le truc des fêtes. Et on va balancer des fêtes à gogo dès que ça s'arrête. Tac. Hop. Le reste, ça tourne. On est bientôt aux 1500 habitants. Et le petit Master Boy est à 50%. Hop, 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 hop. Et la thune, ça monte, donc c'est cool. Oh, j'en ai encore qui se barre. Hein. Et qui se barre, mais ouais, j'en ai pas qui arrive. Hein. 7200 briques supplémentaires. Ah ouais. Je vais arrêter là. Hein. 7200 briques, ça fait beaucoup quand même. Ça fait je sais pas combien de voyages. Ouais, ça fait beaucoup. Je vais arrêter là pour ce soir et puis demain on se terminera ce monument. De toute façon, il me reste que ça à faire et puis avoir les 1500. Je pense que c'est tout. Hein. Aucun vol civil, tu le recalines, ok. On perd la cité, donc on est pas trop mal. Réserve de nourriture presque épuisée. Il va falloir que j'augmente la nourriture du coup. les finances sont très bien, les finances ça monte bien. Et qu'est-ce que je voulais voir? Je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Mince, je vais voir un truc, mais je sais plus. Ça va, ils seront bien. Ah, les niveaux tout bien et monument, bah, quand j'aurai fini le mastaba ce sera fait. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Demain soir on se finit ça, cette mission là, et puis on part sûrement celle d'après, parce que là il manque 5000 briques, c'est trop long, c'est trop long. Là on va passer une demi-heure à regarder le truc avancé. Ah bah non, je suis con, je peux faire chef du commerce. Peut-être jusqu'à 2000. On va faire ça en vrai. Une fête. On va faire une grosse fête pour ta. Hop, on va les faire venir par 2000 les briques. Ça va aller vite. Ça va me faire un trou dans le budget, mais bon. Grâce à mes briques, grâce à mes briques. Tout le monde au monument pour poser des briques. Oh. Ça faut leur mettre bien ça. Tac. La fête. Oui. Je veux faire une fête. Fais chier. Ok. Ça, ça part. Meilleur niveau de royaume. Voilà. Putain, j'avais oublié ça, qu'il pouvait satisfaire aussi. Voilà, 3600 briques. Ah bah ça va plus vite. Somptueuse, hop, tac, oui, accepté,
Hop, m'envoyer 2000 briques, lui, il est sympa. Du coup, ça va se torcher. On va finir ça directement. J'ai mes 1500 habitants. Et ça va être fini dans la prochaine fournée. C'est fini. Voilà, 1800 briques et c'est terminé. Vous avez construit le capital digne des vivants et des morts. Grâce au développement des relations commerciales avec voilà. Votre site ça c'est est fait. Désormais connu sur la scène internationale. On va pouvoir passer à la prochaine mission à Timna. Et pour Timna, faudra 2000 habitants, 15 de prospérité, 70 de royaume. Ok, et bah ben ça, ce sera pour demain. Logiquement, demain. Si j'ai pas d'imprévu, je serai là demain soir. Voilà, voilà. Bon, sur ce, merci à tous d'avoir suivi ce petit live, ça fait toujours plaisir. Et puis, du coup, je vous dis ou à demain soir. Normalement, je serai là. Ou sinon, bah, à la prochaine pour la suite des aventures sur Pharaoh New Era. Bonne soirée tout le monde et à très bientôt. Ciao.